Bienvenue dans le deuxième partie du reportage consacré à l'abolition de l'esclavage. Dans l'épisode précédent, nous faisons cause dans le Commonwealth. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au chantier du musée de l'esclavage et aussi dans l'activité du Poulain en cette journée. Le thème de cette année, c'est résilience, en mémoire de la résilience de l'esclave. Sans plus tarder, nous allons Il y a un gros projet qu'il a depuis quelques temps, c'est-à-dire le musée de l'esclavage. Est-ce que je suis capable de faire un état des lieux de la situation? Le musée intercontinental de l'esclavage, nous commençons phase 1, nous faisons le lancement en fin de l'année dernière. Et le projet en lui-même est composé de deux phases. Et la première phase, c'est qu'il nous fait le lancement l'année dernière, c'était travaux préliminaires qu'il fait sur le site, qui trouva l'hôpital, l'ex-hôpital militaire. Auparavant, il y a également des WC. Ce lieu-là, c'est un lieu qui est identifié dans le rapport Truth and Justice Commission, parce que ce lieu est symbolique. Il y a un lieu qui est bâti, qui est construit par les esclaves, qui est rempli de mémoire, et à cause de ça, qui est choisi à sa place pour héberger le musée de l'esclavage, musée intercontinental de l'esclavage. Phase 1 est composée de, comment on va dire, travaux très légers pour demain capable de faire des travaux plus avancés. Mais également, phase 1, c'est une étape consultative. Je veux dire public consultation. Nous appelons les membres du public et d'ailleurs, à ce jour, nous terminons avec public consultation. Et pendant ces quelques mois-là, nous avons 3000 personnes qui viennent visiter le musée-là, parce que tu as également une exposition temporaire. Je viens visiter le musée. Je viens également donner l'avis, l'opinion, cette recommandation, comment j'ai envie de trouver le musée, éventuellement. Et sa étape, sa phase 1, elle passe très très bien, et très encourageant quand on trouve les chiffres, le nombre de visiteurs qui viennent, différents profils, différentes catégories de personnes, différentes classes, et chaque année, il donne une suggestion qui aujourd'hui peut être compilée dans le rapport, et à partir de là, nous avons dessiné un contour pour phase 2 de ce musée. Phase 2, bien sûr, c'est la remise en état du bâtiment et également meubler le bâtiment-là avec un objet, avec tout ce qui est nécessaire pour le musée tel quel. Aujourd'hui, on va dire, public consultation est terminée. Il y a encore une close consultation qui peut faire. Et à partir de là, on dresse le rapport. Et qui permettent nous d'avoir une visibilité comment nous pouvons aller de l'avant avec phase 2. Également, il y a un petit travail qui nous fait. Et l'étant, nous faire le suivi, quand nous faisons une public consultation, quand nous avons une réaction d'un monde, quand nous venons visiter, nous comprenons qu'aujourd'hui, il est important que quand nous faisons n'importe quel projet pour la nation, d'importance nationale, et que des monde connectés, que nous rappellent l'histoire, une certaine période de l'histoire du pays, il est important qu'il nous permette à la population de donner notre contribution. Et ça phase 1, sa public consultation, il démontrait son engouement pour le public, pour venir exprimer les autres, pour venir dire voilà ce qu'ils ont pensé, voilà ce qu'ils ont envie de trouver, voilà comment ils ont fait. Parce que n'oublions pas que le musée, c'est un reflet de notre histoire et ce reflet-là, il appartient à la population. Y compris lorsqu'il s'agit du sol, mais là, on voit effectivement que même si ça a existé auparavant, ça n'existe pas. Alors, le musée intercontinental de l'esclavage, c'est un concept qui fait évoluer au gré du temps, mais c'est surtout une recommandation du Truth and Justice Commission, que vous connaissez. Il y a beaucoup de monde final déposé devant sa commission-là, et d'où l'importance pour les commissaires qui viennent travailler pour le Truth and Justice Commission, qui est un musée d'esclavage, et que ce musée d'esclavage-là, il visait faire non seulement pour lui, mais il visait faire dans son bâtiment, qui s'appelle l'ex-hôpital militaire, qui se connaît, qui est construit par le gouverneur Maïd Labourdonnais en 1740, mais aussi avec ban esclaves et aussi avec ban travailleurs pontichériens. Ça mène d'autres ban
donc Jordan Skills qui se tient là. Le musée de l'esclavage, intercontinental de l'esclavage, comme on peut dire, c'est pour moi un maillon manquant dans ce qui concerne les lieux de mémoire. Parce qu'il y en a à Pravasigat qui n'est pas trop loin que nous. Il y en a le Penny Museum, il y en a le musée national, naturel. Mais le musée de l'esclavage, il y a une partie, un élément important de l'histoire. C'est ce maillon manquant-là qui se dit, le prophétie remplie. Maintenant, à l'intérieur du musée lui-même, il faut un musée, évidemment, qui concerne l'esclavage, mais aussi il faut un musée interactif. Dimon là, il n'est pas pour venir juste pour consommer, juste pour guetter, mais il est capable de poser une question, il est capable de trouver exactement qui s'y fait passer à l'époque, dans la période française, mais aussi dans les autres périodes, la période anglaise, etc., jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il nous vient de démontrer qu'il y a une importante partie de la population dans Maurice. Les autres descendants, évidemment, viennent dans Maurice dans une condition qu'ils nous connaissent, une condition horrible, une atroce. Mais aussi qui, les autres viennent dans ce pays-là, les autres viennent participer au développement du pays. Les autres viennent réussir, survivre à toute cette atrocité qu'ils ont une grande famille qui peut vivre là. Aujourd'hui, ils ont une partie intégrante de la population de Maurice, mais qu'ils ont participé aussi à l'élaboration, le développement du pays. Ils ont un bâtisseur. Quand nous guettons la ville pour lui, tout ça, un bâtiment qu'il vient de construire, un lari, le pavé, etc. C'est un descendant, un esclave, c'est un descendant qui participe dans le développement du pays. Maintenant, pour moi, il y a un aspect pédagogique très important. Parce que beaucoup de monde cause l'esclavage sans vous connaître exactement c'est quoi l'esclavage. Et quand nous avons des conséquences de l'esclavage aussi, il y a beaucoup de monde qui manquait dans notre lacère, dans notre histoire, nous devons comprendre exactement qui l'esclavage était pour nous capables de causer en connaissance de cause. Il y a des gens qui pas fin, nos parents, nos grands-parents pas fin de vivre, pour nous comprendre. Pour imaginer nous sachons tout ça va nous préciser qu'il y a par rapport à Manzimoun dans notre famille qui esclavisée comme on dit en langage moderne, mais aussi vous ben c'est qu'ils ont une famille ils passent dans ça pour qu'ils aient comprendre qu'ils ont peut-être rien à rougir de du passé de notre bonne grande famille parce qu'ils ont une grande famille c'est Manzimoun qui non seulement viennent racer à racer depuis la terre de l'Afrique, mais ici ils ont fait bâtir une bonne famille ils ont fait bâtir une propre l'avenir ensemble dans la communauté mauricienne. Et c'est ça qui est important. Et moi, mon souhait, c'est qu'à Pravasigat, qui n'est pas loin de nous, et le musée intercontinental de l'esclavage, il y en a un même destin. C'est-à-dire, il y a une continuité entre l'esclavage et l'engagisme. De la même façon, mon pensée, il y a une continuité entre le musée intercontinental de l'esclavage et à Pravasigat, pour visiter. Et obligatoirement, je vous visite l'autre et je vous comprends exactement c'est quoi l'île Maurice. Le 1er février, dans pas longtemps, avant qu'il nous cause une activité qui connaît ce jour-là, nous rappelle que l'époque d'esclavage c'était une période d'atrocité. Donc, qui ou réflexion dans cette période-là? C'est une période, c'est un système qui était établi par Ben Colon de l'époque. C'était une période que tu peux considérer certaines catégories de personnes comme Benjamin qui paga le même traitement, comment je te mets. À l'époque, tu as même le code noir qui s'est établi. Le code noir, tu as une règle bien distincte qui s'applique uniquement, exclusivement à Ben esclave. Et là-dedans, quand vous lire le code noir, ou à le réaliser, qui a été traitement, tu peux donner Ben esclave à l'époque et qu'ils n'ont pas même considéré comme un humain. Je ne peux pas même considérer comme un djimoun, comment dire. C'est que nous devons être aujourd'hui. C'est ça devoir de mémoire là. C'est ça devoir qui nous pas oublier qu'ils ont passé, que nous sommes sortis. Et aujourd'hui, l'île Maurice, ce qui y était, c'est nous bâtir l'île Maurice, nous la suyer, un esclave. Nous bâtir l'île Maurice, nos souffrances, un esclave. Nous bâtir l'île Maurice, nos souffrances, ben travailleurs engagés. Tout cela, c'est Ben Djimoun qui vient, qui travaille dans des conditions atroces et qui permet à Ben Génération qui vient après
construire l'île Maurice, faire de l'île Maurice ce qui y était aujourd'hui. Alors, l'abolition de l'esclavage, commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est également un rappel de tous efforts, tous sacrifices, tout la suyère, tout dissent qui nous mène dans cette université, qui vous permet de nous aujourd'hui dire fièrement, qui nous mène Mauricien, qui vous dit fièrement, qui nous paye, il n'arrive qu'au il n'arrive. Et pour terminer, au niveau ministère, qui va activer, que vous pouvez prévoir dans le cadre de l'abolition de l'esclavage? Bon, comme chaque année, nous avons une belle activité qui nous prévoit. Et la veille, veut dire le 31 janvier, nous pourrons point de canon, point de dépôt de gerbe. Et le lendemain, le fait que le lieu est symbolique, quand nous courons le monde, nous prenons le dépôt de gerbe au monde. Et par la suite, nous prenons nos programmes culturels, un programme cette année qui est sous le thème résilience. Sur le thème résilience, parce que nous pouvons également célébrer la résilience de mes esclaves, la résilience de ce qui nous vient de l'esclavage. Et le thème déroulé du programme pour baser sur ce thème-là, nous avons bien sûr un artiste qui peut venir perform on stage, nous avons également une représentation, et après, le PM peut être également appelé pour faire le lancement d'un booklet qui nous peut faire à l'occasion, qui pour retrace certaines bonnes affaires qui en relation avec l'esclavage et avec ben monument qui aujourd'hui ben vestige de l'esclave, de l'esclavage. Et après, il y a un petit peu comment on a obtient fait cette année, mais comment me dire, ce qui peut être différent cette année, c'est le thème qui est un thème qui nous choisit par rapport à comment nous trouver ce qui nous passait à cette période-là et continuité aujourd'hui. Et la résilience traduit parfaitement l'idée de ce qui nous peut faire cette année. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci vous-même. Merci d'être venu sur nous et merci pour ce bon message d'encouragement. Ça fait nous plaisir. Nous venons avec encore pas les autres découvertes. Pas oublier like, share et vous êtes un coup d'œil sur notre page Facebook du ASM Recherche. À bientôt.